Hop, tout le monde, c'est Pixel et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute vidéo sur la chaîne de la Obscure Clan en ma compagnie pour un petit commentaire qui j'espère vous plaire. Il y a 4 nouvelles armes qui sont sorties sur Call of Duty Black Ops 3. Il s'agit d'un bras de robot appelé le L3FTE, donc qui est assez what the fuck. Voilà, donc c'est un bras de robot, ouais, c'est moche. Ça part en couille. La mitraille qui s'appelle la DIY 11 Reinvator, avec un bel accent anglais bien tout niqué des familles. Donc, il y a écrit Full Auto Nagle, finish the job with the slow firing, hard hitting projectile weapon. En gros, ça veut dire que c'est une arme, nail gun, donc c'est-à-dire que ça tire des clous, qui finit le travail, qui tire lentement, mais qui fait assez mal. Donc, on pourrait plutôt penser à une manoir. Ensuite, il y a un lance-disque, donc le lance-disque qui s'appelle, je ne sais pas comment, Sin-Si, c'est le D13 Sector, on dirait qu'elle lance des disques. Voilà, du coup, c'est assez comique, on va dire. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que 3 armes. Oui, je me suis complètement trompé, il n'y a que 3 armes. Oui, il n'y a que 3 armes. Donc, c'était les 3 armes qui sont sorties sur le dernier Call of Duty. Franchement, je trouve que ça part en couille, que ça devient n'importe quoi. Ils ont vraiment plus d'idées. Les mecs, IW, ils sortent dans un mois. Arrêtez! Ça sert à rien de continuer à sortir des trucs. De toute façon, les 3/4 du temps, les gens, ils ont arrêté. Ils ont arrêté de jouer à code. Moi j'ai arrêté de jouer à code à cause de Black Ops 3, tellement Black Ops 3 il m'a soufflé, tellement il partait en couille. Donc voilà, j'espère que ce petit commentaire vous aura plu, les gars. Il était assez express. C'est pas un de mes meilleurs, mais je pense quand même qu'il va vous plaire. Sur ce, c'était Pixel. Ciao, bye, c'est bien.